Écrire un livre sur comment vaincre la tentation. J'ai pu découvrir 40 principes sur comment vaincre la tentation. Ça fait 40 chapitres que je vais approfondir dans un livre qui sortira quand Dieu le permettra. Comment vaincre la tentation? Souvent, nous prêchons sur la sanctification en faisant que des déclarations, disant aux gens « sanctifie-toi, sanctifie-toi ». Mais je trouve que cela n'est pas bon parce que cela ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de dire à quelqu'un de craindre Dieu. Il faut lui montrer comment est-ce qu'il peut craindre Dieu. C'est pourquoi pendant ces dimanches et dimanches et dimanches, nous étions là enfin d'apprendre à comment vaincre la tentation. Parce que c'est la tentation qui amène au mal, c'est la tentation qui amène au péché. Nous avons dit premièrement que pour vaincre la tentation, il faut détecter qu'on est tenté, il faut être conscient qu'on est tenté. Pour que tu puisses arriver à vaincre une tentation, tu dois reconnaître que tu es tenté, tu dois détecter la tentation. La deuxième chose, nous avons dit, il faut garder le contrôle, il faut garder le sang-froid. Il ne faut pas paniquer lorsque tu es tenté. La troisième chose, tu dois faire la différence entre le désir et la chute, parce que désirer n'est pas succomber, mais Satan aime créer une confusion à ce sujet. Quatrième chose pour vaincre la tentation, il faut fortifier ton esprit par la prière, le jeûne, la méditation et la communion fraternelle. Cinquième chose pour vaincre la tentation, il faut faire la différence entre le toi, l'esprit et la chair. Ainsi, tu peux dire à ta chair, tu peux le faire, mais sans moi. Septième chose, il faut savoir que tant que ta volonté s'oppose à une chose, le péché n'aura pas lieu. Huitième chose, il faut te souvenir de toutes les fois que Dieu t'a délivré d'une tentation. Neuvième chose, il faut savoir que Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il ouvrira une porte pour que tu puisses en sortir. Dixième chose, il faut en parler à une oreille attentive et discrète. Onzième chose, il ne faut pas voir la grandeur de la tentation, mais une occasion de prouver à Dieu que tu l'aimes. Douzième chose, la tentation vient comme Goliath avec beaucoup d'impression, mais la délivrance vient comme David dans la discrétion et la simplicité. Treizièmement, il ne faut pas avoir peur de la tentation et de la confrontation, car c'est un signe de faiblesse et de manque de foi, car un vainqueur n'a pas peur du combat. Quatorzième, il faut avoir la foi que c'est possible d'en sortir vainqueur, car la foi est aussi nécessaire dans la sanctification. Quinzièmement,
il faut recevoir les stratégies de Dieu par l'enseignement du Saint-Esprit, car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Psaume 144, verset 1 nous dit, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. 16e, il faut se concentrer sur les choses spirituelles que sur ce que tu ressens dans le corps lorsque tu es tenté, comme Jésus était concentré sur sa mission et non sur les douleurs de la croix. 10e, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit, car il conduit toujours dans la victoire et dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans la chambre basse, mais dans la chambre haute. 18. Il ne faut pas nourrir l'obsession ou la tentation ou faire quelque chose qui puisse l'intensifier. Il ne faut pas frapper à la porte du diable et l'inviter à te tenter. 19. Il faut considérer la chair comme un enfant gâté qui demande avec insistance une chose que l'on peut lui accorder et lui résister avec la douceur et la fermeté d'un parent adulte. 20e chose. Il faut parler en langue ou prier quand on sent l'oppression afin de déjouer les œuvres démoniaques. 21. Il ne faut pas se lasser de dire non à l'exemple de Jésus et de Joseph pour ne pas être comme Samson à qui cela coûta la vie. 22e chose. Il faut savoir que le diable est un pêcheur qui va à la pêche avec des filets troués et que toute attaque du diable a un point faible et une porte de sortie, car il a des stratégies imparfaites. 23. Il faut réfléchir sur l'après et sur les conséquences de la séduction et de la chute. 24. Il faut avoir la vision d'un jour à la fois, car à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour sa consécration, à chaque jour sa sanctification. On porte sa croix chaque jour et non chaque mois ou une année. 25. Il faut t'aider à ne pas être tenté en mettant autour de toi des conditions qui te gardent dans la consécration. 26. Il faut prendre au sérieux les avertissements de Dieu par les songes, les visions, les prédications et les conseils, comme Joseph l'a fait au sujet des songes que Dieu lui a donnés pour Jésus. 27. Il faut observer la vie de ceux qui ont succombé à la tentation et les peines qu'ils en ont encourues. 28. Il faut observer la vie de ceux qui ont surmonté la tentation et croire que c'est possible. 29. Il faut rester sur tes gardes et prendre même au sérieux les peaux de banane. Il faut rester sur tes gardes car tu ne connais pas le jour de la grande tentation. 30. Pour aujourd'hui, acclamons le Seigneur. Voici un autre secret pour vaincre la tentation. Il faut te détendre. La Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre du premier au sixième jour. Il ne se fatigue jamais. A établi un principe, le repos, type spirituel. Alléluia. Lorsque tu veux vaincre, pourquoi? Parce qu'une personne fatiguée et surmenée a du mal à se concentrer et à résister devant la tentation. C'est pourquoi même dans le ministère de Jésus-Christ, on nous dit que Jésus est dans la barque. Vous imaginez que Jésus, le fils de la tentation, apprend à te détendre. Mais pas à te détendre comme un païen. Au moment où tu te retires pour dormir, mais ce n'est pas grave, il se sent détendu. Amen. Où tu te détends. Moi, pour me détendre, je joue, je suis pasteur. Là, je deviens, un grand joueur de tennis. J'oublie tous mes problèmes, toutes mes difficultés lorsque je joue au tennis. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu s'est reposé. Apprenez aussi à vous reposer. Certains au milieu t'en plus, tellement que tu es fatigué. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a dit que la fatigue est l'un des grands ennemis de l'onction et l'un des grands ennemis de la sanctification. Si tu veux garder la sanctification, apprends à te
reposer. Qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque un chrétien passe par des moments de grande concentration, il cherche à se reposer après une grande concentration. C'est pourquoi beaucoup de gens après des retraites tombent. Beaucoup de gens après des longs séminaires tombent. Beaucoup de gens après un long moment de grande croissance spirituelle, ils subissent des baisses. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se détendre après avoir été concentrés. Je donne l'exemple. Noé se concentre pour construire l'arche, mais après, il pêche. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se détendre en prenant du vin. Un autre exemple. David remporte des grandes victoires, mais un jour, il veut se détendre en regardant dans les salles de bain des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé son repos. Un homme qui prépare son repos lorsqu'il travaille va se garder lorsqu'il se repose. Quand j'étais célibataire et que j'étais pasteur, voici comment est-ce que je faisais pour vivre dans la sainteté. Je faisais avant chaque action une retraite d'une semaine où je me retirais dans la maison d'un membre de l'église et je jeûnais, je priais. Et lorsque je commençais le séminaire, je faisais une semaine, je fais un séminaire, mais je suis toujours en retraite. Et quand je finissais le séminaire, je ne sortais pas de la retraite, je faisais encore une semaine en retraite afin de me reposer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que si le peuple te voit dans la gloire, il risque de croire que l'homme qui est dans la gloire dit tout dans la gloire, alors que tu peux être dans la gloire pendant une semaine, mais après tu deviens charnel. C'est pourquoi il ne faut jamais revenir dans un endroit où Dieu t'a glorifié si tu peux fuir. Parce que lorsque tu reviens dans un endroit où Dieu t'a glorifié, alors qu'il ne t'a pas donné un travail, Satan va te donner quelque chose à faire. Si je vais à Goma, je fais un grand travail et Dieu m'utilise, je ne peux pas y revenir si on ne m'a pas invité. Pourquoi? Je risque maintenant d'utiliser la gloire que j'ai eue, mais autrement. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais rôder là où Dieu t'a glorifié de peur que tu prennes ce qui n'est pas à toi. Et tu dois toujours programmer un repos. Toujours programmer un repos afin de te renouveler, mais aussi pour que tu puisses fuir le diable qui vient après des grandes concentrations. C'est ainsi que tu remarques dans ta vie qu'après des grandes retraites, tu perds la vie de prière. Tu sais pourquoi est-ce que tu perds la vie de prière après des grandes retraites? Parce que tu ne sais pas te détendre de sorte à conserver la spiritualité. Tu sais pourquoi après des grands séminaires où tu entends des grandes paroles, mais après un grand séminaire, tu te retrouves en train de pécher? C'est parce que tu ne sais pas programmer la pré-concentration. Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, s'est reposé. Jésus, après les signes, les prodiges et les miracles, s'est reposé. Bien-aimé frère, tu as un corps et ce corps influence ton esprit et ton âme. Si ton corps est fatigué, il va influencer ton esprit. Même si ton esprit est fort, tu auras du mal à être sensible à Dieu. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne savent pas se reposer, ils ne savent pas se détendre. Eux, quand ils se détendent, ils doivent pécher. Se détendre, ce n'est pas péché. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont des éternels concentrés et le jour où seulement ils se distraient un peu, ils pêchent. Lorsque le réveil a commencé, on nous disait que le christianisme n'est fait que de concentration. Et lorsqu'on a commencé à grandir dans la chose de Dieu, on a compris que Dieu aussi veut se détendre. Amen. Je me souviens des années avant, si on me disait qu'en tant que pasteur, je pouvais aller au jardin d'Éden, je porte ma culotte et je porte mes babouches et je prends ma femme, on va là-bas, je dirais que c'est un péché. Mais aujourd'hui, je te dis que j'ai beaucoup d'onction quand je reviens de là. Alléluia. C'est ainsi qu'on avait des frères qui, même dans une fête, étaient en train de prier en langue parce qu'ils avaient peur de perdre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent que travailler et se concentrer, mais ils ne savent pas se reposer. Voici la vraie dimension de la sainteté, c'est lorsque tu crains Dieu alors que tu ne fais rien. Parce qu'il y a des sanctifications par rapport au travail que tu vas faire pour Dieu, et là c'est un bas niveau. Mais je crois en la sanctification d'un homme qui n'a pas une prédication à donner, il n'a rien à faire, mais il aime Dieu. Il est au repos, mais il est saint. C'est pourquoi même le salut est appelé le repos de Dieu. Le salut c'est un repos de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez à faire du sport. Ça va vous aider. Quand même tu es très tenté physiquement, sexuellement, mon frère, si tu joues au football pendant un temps, tu vas oublier ces choses-là. C'est pourquoi dans les internats des prêtres catholiques, il n'y avait pas que l'internat, il y avait aussi les volets, les basketballs, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, nous avons appris les sports dans les internats des prêtres catholiques parce qu'ils savaient mélanger la spiritualité avec le corps. Dites Amen. Regarde des documentaires. Aie des amis qui te font rire. Aie
ait des amis qui te font rire. L'homme qui n'a pas où rire va rire partout et va rire en désordre. Tu sais pourquoi est-ce qu'ici je ne vais pas trop rire? Parce que j'ai déjà ri avec mes amis lundi. Lundi, j'étais à la maison, on a rigolé. Et là, je suis concentré parce que j'ai déjà libéré la pression de rire. Mais si tu n'as pas où rire, tu vas rire n'importe où, même devant tes ennemis qui vont se rendre compte que tu as un problème. Les amis nous sont donnés aussi pour notre détente. Les amis ne sont pas seulement donnés pour qu'on leur dise nos problèmes, mais les amis nous sont donnés aussi pour nous faire rire. C'est pourquoi un homme qui n'a pas d'amis est comme une maison sans poubelle. Une maison sans poubelle, tu n'as pas où les jeter et les poubelles sont partout. Où est-ce que tu vides tes poubelles? Les amis sont là pour vider les poubelles. Bien-aimé, un bon ami t'aide à vider tes poubelles de sorte à ce que tu gardes la sainteté. Alléluia! Parce que certaines personnes pêchent parce qu'elles n'ont pas où se détendre. Vous savez que si David avait des bons amis, il n'aurait pas péché. Le problème c'est que Jonathan avait abandonné David avant que David ne devienne roi et Jonathan est mort avant que David ne devienne roi. Car si David avait Jonathan, lorsqu'il s'était ennuyé, il allait appeler Jonathan, il cause et n'allait pas voir Bathsheba. Tu sais pourquoi est-ce que tu pêches? Parce que tu n'as personne à qui parler et là le diable vient te parler et devient ton ami. Tu causes avec le serpent parce que tu n'as pas d'amis. Bien aimé, je suis contre toute doctrine qui empêche les gens d'avoir des amis. Je suis contre ces choses qu'on dit dans les églises. Frère, tu ne connais pas celui qui est à ta gauche, hein? Fais attention à celui qui est à ta droite. Dans l'église, on ne vient pas soupçonner le mal. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Fais attention à celui qui est à ta gauche. Hein? Famille lavée par le sang de Jésus. Maudit et qui t'empêche d'écouter la parole. D'ailleurs, en ce lieu, un sorcier ne peut pas opérer. Je dis, en ce lieu, un sorcier ne peut pas opérer. En ce lieu, un sorcier ne peut pas opérer. N'aie pas peur de ton voisin. C'est une bénédiction à côté de toi. Salue-le un peu. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Oh, ne prends pas son bic, il est envoûté. Ne prends pas son papier mouchoir, il est envoûté. Même si ton bic est envoûté, je le bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce sont des choses qui nous empêchent de vivre dans la sainteté. Car il y a des amis, tellement qu'ils donnent beaucoup de bonheur, ils t'empêchent de pécher. Car tout le monde n'est pas tenté le même jour. Chacun de nous a un jour, il est très tenté. Alors le jour où tu es très tenté, invite beaucoup tes amis. Oui. Tu es à samedi. Samedi, il y a Satan. Je crois samedi passé, on est allé avec mon épouse à Ice Cream lui acheter quelque chose. Et là, on a vu des filles. Je ne sais pas si ce qu'elle avait porté était une culotte ou c'était une mini. Mais j'ai remarqué vraiment, hey, c'était terrible. Mais je vous dis, elle me connaissait. Pasteur Marcel. Pasteur Marcel. Pour ça, monsieur, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un pasteur à battre un peu. C'était samedi, mais dimanche, elle chante. Mais si samedi, elle rencontrait des bonnes amies qui, dès le matin, peuvent l'encadrer, jamais elle ne va pécher. Bien-aimé, tu as besoin des amis. Que Dieu te donne des amis. Si cette année est en train de finir et tu n'as pas d'amis, qu'aujourd'hui Dieu te donne un ami au nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui Dieu te donne un ami. Que Dieu te donne un ami. Que Dieu te donne un ami. La plus grande dimension en Dieu, c'est de devenir l'ami de Dieu parce que Dieu respecte l'amitié. Il dit à ses disciples, vous ne serez plus mes serviteurs, mais vous serez mes amis. L'amitié révèle Dieu. Donne. Que Dieu te donne des amis qui t'aiment plus que toi-même. Ça existe. Ça existe. Mais souvent nous pensons que lorsque quelqu'un t'aime beaucoup, il est faible. C'est pourquoi nous respectons les gens qui nous boudent et ne nous attachons pas aux gens qui nous aiment. Comme si au Congo, beaucoup aimer quelqu'un est une faiblesse.
appelles, tu les cherches, tu l'appelles, tu les cherches, il te prend pour un minable. Mais c'est ainsi que nous aimons les gens qui nous boudent, qui ne s'occupent pas de nous et nous respectons. Nous respectons les gens qui nous boudent et nous méprisons les gens qui nous aiment. Que Dieu te donne d'aimer les gens qui t'aiment. Que Dieu te donne d'aimer les gens qui t'aiment. Que Dieu te donne de ne pas marcher, d'écraser l'amour des autres, mais d'honorer quiconque t'aime. Cette personne qui t'aime, elle peut aussi aimer quelqu'un d'autre. Si elle t'aime, c'est une grâce, c'est une faveur. Même si cette personne n'a rien aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'elle va te donner demain. Naomi n'avait rien, mais demain elle a donné Boaz. Aujourd'hui elle n'est rien, mais demain tu ne sais pas ce qu'elle est. Lorsque tu aimes David, et ce n'est qu'un berger derrière le troupeau de son père, vois très bien, ce n'est pas qu'un berger, c'est un futur roi qui est en train d'apprendre la royauté derrière le brebis de son père. Et notre problème, c'est que nous aimons les gens qui ont l'argent et nous n'aimons pas les gens qui nous donnent l'amour. Car quelqu'un peut te donner l'argent sans te donner l'amour. Vaut mieux celui qui te donne l'amour sans te donner l'argent, car il finira par te donner l'argent le jour qu'il aura l'argent, que celui qui te donne l'argent en train de te mépriser. Alléluia. Détends-toi sainement. Fais du sport. Visite des bons amis. Ris. Mais ris sans plaisanter. Amen. Parce que les chrétiens, quand ils rient, ils rient comme les païens. Yo mbunzu. Yo zazoba. Non, nous ne sommes pas des païens pour plaisanter comme des païens. Et nous donner des sobriquets bibliques. Des gens, quand un frère est très court, ils lui donnent le nom de Zachée. Frère Zachée. Mon frère Zachée. Frère Zachée. Ou même on prend la parole de Dieu, on la tourne après le culte pour en faire des blagues. Vous péchez souvent lorsque après le culte vous blaguez sur la parole de Dieu. Des gens qui ne veulent jamais entrer dans la profondeur de la parole, mais vous voyez après le culte, ils blaguent sur la Bible pour diluer la profondeur et la portée du message. Rire, ce n'est pas plaisanter. Rire, ce n'est pas se moquer d'eux. Car il y a des gens, pour rire, ils doivent se moquer de quelqu'un. C'est un vilain défaut, c'est un grand péché. Pour rire, tu dois seulement te moquer de quelqu'un. Tes rires ne viennent que des moqueries. Non, les rires viennent de l'humour, mais pas des moqueries. Écoute une bonne musique. Qui a de la bonne musique ? Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux avoir même la bonne musique dans ton téléphone. Tu peux avoir la bonne musique à la maison. Écoute de la bonne musique, ça détend aussi. Amen. Dors des fois avec la bonne musique, ça détend aussi. Il y a une sœur qui m'a dit, « Pasteur, lorsque je suis tenté, je mets la musique dans mon téléphone et la tentation ça, s'en va. » Et c'est vrai, bien-aimé. Lorsque l'atmosphère de gloire remplit un endroit, on cesse de penser au mal. C'est pourquoi mettez de la bonne musique. Enlevez Shakira, Beyoncé dans vos musiques, R. Kelly, enlevez ces gens-là. Mettez ma musique, hein? Mettez mes chansons, mettez les chansons d'Anointing, mettez Franck Moulaja, mettez Darlene, mettez une musique. Quand elle joue, du coup tu penses à Dieu, tu penses au ciel. Lorsque tu es tenté, ouvre ton téléphone, mets une bonne musique. Détends ton esprit en Dieu. Alléluia. Ou même mets une prédication. Mets une prédication. Il est permis qu'on prêche de mettre même des téléphones sur les baffles. Tu mets une prédication. Et lorsque la tentation vient, tu commences à écouter la parole. Une parole qui te sanctifie. Une parole qui te garde. Bien-aimé frère, sœur, un homme qui se détend a la force de travailler plus que celui qui ne se repose jamais. Deuxième chose ce matin, pour vaincre la tentation, voici une autre chose. Tu dois éviter les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques, ce sont les excitants. Les choses qui peuvent exciter ton corps. 35 à 38 acquittés, Sodome et Gomorre, ces filles l'ont enivré.
Paul, c'est pourquoi on l'a enivré. Ses filles savaient que Lot a une faiblesse. Il aime à coucher avec nous, il faudrait qu'il puisse prendre le vin. Si Lot n'avait pas pris le vin, jamais il n'aurait couché avec ses filles. Ne t'approche jamais des choses qui excitent tes sens. Évite de boire ou de manger des choses qui excitent tes sens. J'ai un ami qui est médecin. Il a commencé à traiter le cas d'un homme de Dieu qui péchait souvent, qui tombait souvent dans l'impudicité. Et l'homme de Dieu disait, j'ai des démons. Et pendant que mon ami qui est médecin le traitait, il lui a dit, dis-moi ce que tu fais quand tu as fini le jeûne et la retraite. Il dit, après que j'ai fini mon jeûne, je demande souvent que ma femme me prépare un gros poisson avec beaucoup de citron, avec beaucoup d'ail, avec donc des trucs là, des cubes magiques et tout. Ça fait quoi? Que pendant des jours et des jours, son corps a été discipliné, mais lorsqu'il finit, il met des excitants dans le corps et il tombe. Des gens, ils ne sont pas mariés, ils aiment tout le temps les tangawisi. Ils aiment tout le temps le Red Bull. Oui, je dois vous enseigner toutes choses. Certains au milieu de nous, les pressions et les pulsions sexuelles que vous avez ne sont pas dues aux démons, mais sont dues à la nourriture. Et qui diminue la résistance. Un homme attaché à l'alcool aura du mal à résister au péché. Et un homme aussi qui ne sait pas bien manger aura du mal à avoir des pulsions contrôlées. Et voir même des médecins, voir des gens qui sont spécialistes dans la matière, j'ai remarqué que telle nourriture élève mon libido sexuel. Telle nourriture, après que j'ai mangé, je sens des excitations. Pourquoi? Et on va te dire, ne prends pas ça, mais si tu prends ça, prends ça. Et mon ami, lorsqu'il a conseillé cet homme a changé sa manière de manger après les retraites et il vivait dans la sainteté parce qu'il n'y avait plus d'aphrodisiaque. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Il faut avoir une intimité avec Dieu qui n'est pas fondée sur la crainte, mais qui est fondée sur l'amour. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce reste la vie, ce reste la mort. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux niveaux de crainte de Dieu. Il y a des gens plutôt de sanctification. Il y a des gens qui se sanctifient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Qui se sanctifient parce qu'ils ont peur de ne pas être exaucés. Qui se sanctifient parce qu'ils ont peur de perdre la bénédiction, de perdre le ministère, de perdre l'onction. C'est un bon niveau, mais c'est un bas niveau. Mais voici le plus haut niveau dans la sanctification. Se sanctifier seulement parce qu'on aime Dieu. Amen. C'est-à-dire que je pêche, mais je garde la bénédiction, mais je suis dérangé. Il y a des gens qui se répandent lorsqu'ils perdent la bénédiction. Mais il y a d'autres qui se répandent seulement parce qu'ils ont blessé le cœur de celui qu'ils aiment. Amen. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur d'aller en enfer. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur de ne pas être exaucé. Sanctifiez-vous seulement parce que vous avez peur de blesser le Dieu que vous aimez. Alléluia. Une sanctification qui vient de la crainte a des limites. Mais une sanctification qui vient de l'amour n'a pas de limite. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit, Seigneur Dieu de gloire, vraiment, ne me prive pas la bénédiction, je viens de pécher. Non, dit, Seigneur Dieu de gloire, ne me prive pas ta communion, ne me prive pas ta présence. C'est pourquoi lorsque David a péché, il a dit, ne me prive pas ton esprit. Il n'a pas dit, ne me prive pas la royauté. Et Jean, s'il te blesse, ça ne lui dit rien. Mais si quand il te blesse, tu ne lui donnes plus, c'est quand il demande pardon. Et il y a des gens comme ça. Tant que Dieu le bénit, il ne demande pas pardon. Mais c'est quand il commence à vivre les conséquences de ses péchés qu'il demande pardon. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes la bénédiction de Dieu. Pourquoi vous vous sanctifiez? Je vois des gens qui disent, je crains Dieu parce que je suis en train de faire mon examen, il faut que je réussisse. Je crains Dieu parce que je suis en train de préparer mon mariage, il faut que je réussisse. Je crains Dieu parce que j'ai demandé mon visa, il ne faut pas qu'on le bloque. Non, je crains Dieu parce que je l'aime. Si tu es fidèle à ton mari parce que ton mari est un mari qui tabasse, tu n'es pas une bonne femme. Mais si tu es fidèle à ton mari parce que seulement tu l'aimes, tu es une bonne femme. Bien-aimé, nous ne devons pas nous sanctifier parce que nous avons peur du jugement de Dieu. Nous devons nous sanctifier seulement parce que nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu fasses des mauvaises choses, mais la grâce continue, mais ça devient un esprit d'égarement. Oh. Samson a péché, l'onction est restée. Il perd.
sèche. Et par quoi? Il pêche. Les prophéties continuent. Tu prêtes, tu pêches, tu as toujours l'argent. Tu dors, le voleur n'entre pas. Tu pêches, tu parles en langue et tu dis tout va bien. Non. Tout va mal parce que tu as blessé celui qui t'aime. Je n'ai pas besoin de sentir des conséquences pour me repentir. J'ai seulement besoin de sentir le cœur de Dieu qui est blessé. C'est pourquoi ayez une sensibilité qui peut capter l'amour de Dieu et savoir je viens de blesser le cœur de Dieu. N'attendez pas des conséquences graves dans vos vies pour vous repentir. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu lui demandes pardon même s'il n'a pas pleuré. Pardon, pardon. Ah, donc si on allait là, quitter, on va se pardonner. Dieu a pleuré, il y a eu le déluge. C'est ainsi que vous gardez les cicatrices de vos désobéissances. Alors que celui qui peut se repentir rien que par intimité, avant que Dieu le frappe, il a demandé pardon. Tu as beaucoup d'insolocos spirituels, des traces et des traces de tes désobéissances. Des cicatrices. Oh, jour, na salarabou. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Quiconque vient vers Dieu pour un but ne l'aime pas. Quiconque vient vers Dieu pour un but ne l'aime pas. Et Dieu n'aime pas les gens qui viennent vers lui pour un but. Dieu aime les gens qui viennent vers lui pour lui. Et après, c'est lui qui te donne des buts vers lui. Je donne l'exemple. Salomon vient vers Dieu. Il ne demandait pas de grandes choses. Mais comme il aimait Dieu, Dieu lui donne un but. Je veux que tu sois riche. Je veux que tu aies la gloire. Mais lui ne voulait pas de grandes choses. Il voulait seulement Dieu. C'est pourquoi Esther est devenue reine. Parce qu'elle ne voulait pas les biens du roi. Elle voulait le roi. Elle a eu tout ce que le roi avait. Mais les autres femmes n'ont pas eu le roi. Parce qu'elles voulaient les congélateurs du roi. Et elle se faisait belle pour les congélateurs. Mais Esther se faisait belle pour la face du roi. La bénédiction n'est qu'une conséquence de mon amour pour Dieu, mais ce n'est pas mon but. Pourquoi? C'est pourquoi vous arrêtez de vous sanctifier lorsque la bénédiction tarde. Pour boyer la qui? Yango. Mais oyaye la qui bolingo? Ako? Koba. Vous comprenez? C'est comme une femme, elle épouse un homme, n'habite Togobonga. 2 ans, moutoukezate. 3 ans, quitte la plastique. Au moins, maman a commis un poli. Mais celle qui a épousé l'homme pour ce qu'il est, même si elle est kichikwa là, elle va dormir sur le kichikwa là, elle va grossir sur ce kichikwa là, jusqu'à ce que son mari deviendra un grand homme. Pourquoi est-ce que tu es venu auprès de Jésus? Il y a des gens qui viennent auprès de Jésus pour les pains et les poissons. Et cela, ils ne peuvent pas boire le sang et manger la chair. Lorsque la vie chrétienne devient difficile, ils abandonnent. Mais il y a des gens qui sont venus pour lui. Même si ça devient dur, ils n'abandonnent pas. Même si ça devient dur, ils n'abandonnent pas. Boba yaka kopa mamate. Koba kolukakanza me pona lipa moli. Boko kabwana jureza. Entrons dans les actes des apôtres. Imaginez, ces gens, Jésus meurt, ressuscite, il répand le Saint-Esprit et eux, ils entrent dans un mouvement appelé l'église christianisme. Après, bangondo, ba prison, ba kotumba, La Bible dit qu'on les mettait dans des fosses aux lions et les lions les dévoraient, mais ils chantaient. Pourquoi? Ils n'étaient pas venus pour avoir des grosses voitures et des grosses jeeps et des grosses maisons. Ils étaient venus pour Jésus. Soit la paix, c'est quoi? Paix, si soit la paix, si tes problèmes, t'es na yela yangote. Na yela yangote. Na koko sa yote ndeko na ngai que vie chrétienne, bisogno soto zabanda kwa minene, ba jeep a minene. Eza lokuta. La bénédiction d'Abraham est biblique, mais la pauvreté de Lazare est aussi biblique. Mais il avait une richesse spirituelle. Est-ce que les apôtres avaient de très très grandes richesses? Revenons à la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont malheureux alors qu'il fallait que tu sois heureux parce que tu as toutes choses. Certains, votre richesse, ce sera la connaissance des Écritures. D'autres, un don spirituel qui va bénir le monde. C'est pourquoi des fois les catholiques nous dépassent dans ces domaines-là. Tu vois un prêtre catholique, il est d'une famille riche. Il va là-bas à Calcutta,
avec des lépreux, il meurt à Calcutta. Baye baye te, à Salamamunen. Mais puis il faut qu'un monde ceinture et vivre du bon boulot dans son but. Nous cherchons la bénédiction non pas pour la gloire de Dieu, pour notre propre gloire. Bien aimé, il n'y a pas une course. Nous ne sommes pas dans une course. On verra qui sera béni plus que l'autre. Nous sommes dans une destinée. La destinée du pouce n'est pas la destinée du majeur. La destinée du majeur n'est pas la destinée de l'index. Mais tous sont sur le doigt. Dieu sa course. Tiens, bon, non. Le bas course. Non, non, gagné. Si vous avez gagné, maintenant, les gars, vous avez gagné. Mais tant que. Tant que vous avez vu ça, vous voyez, vous voyez. Mais ce qui est sûr, tu seras utilisé par Dieu. Tu seras utilisé par Dieu. Mais nous faisons des courses. Est-ce que ces mains peuvent faire la course? Ils ne sont pas appelés à faire la course. Ils sont appelés à se mettre ensemble. Et ça, il dit Kofi, petit chaos. Yabeta kao. Yabeta kao. Boe, nde kao. Ou le to bundaka, to sangana. To beta mokili kao. Oh, na lekio na lipamboli, na lekio na boye. Eza makambo olekate, eza makambo to sangana, to koki sa posa ya nzambe. Ata ole ki nga plas mongo, nga pe na kolego kote moussous. Même le président a besoin d'un coiffeur. Même le président a besoin d'un coiffeur. Il ne peut pas dire j'ai besoin de personne. Chacun de nous est créé pour un but. C'est pourquoi mes frères et sœurs, aimez Dieu. Aimez Dieu. Aimez seulement Dieu. Mais quand tu aimes Dieu, maintenant il va te poser des questions. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Tu peux avoir une femme des années, elle ne te demande rien. Elle ne te demande rien. Mais je te dis, oh, mais toi tu ne me demandes pas. Demande-moi un peu. Hein? Demande un peu. Pourquoi tu vas arriver à cette question? Demande-moi un peu. Tu sens que cette personne ne t'a jamais suivi pour l'argent ou pour quoi que ce soit. Elle t'aime seulement. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, Dieu est blessé par nos prières. Au coup de cabouet, ou bien Dieu singe. Tobon deli, Nzambe Mutuka, Nzambe, Natamo Makolomingi, Talabaninga Nangai, Nzambe, 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 Pesa Nambongo Mokolini, Nzambe, visa, visa, voyage, 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 au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu viens, tu es Elohim, tu es Elolam, tu es El Jibor, Yahweh Nissi, le chemin, la vérité et la vie. Mon fils, tu n'as pas un problème. Tu es le roi des rois. Mais dis-moi ton problème. Tu es la vie de ma vie, la force. Mais dis-moi ton problème. Sans toi, je ne suis rien. Tu es la substance du paradis. Mais mon fils, dis-moi. Je suis venu pour t'élever, pour t'exalter. Dans cette adoration, Dieu te bénira. Bien-aimé, Dieu ne nous bénit pas seulement lorsqu'on demande. Dieu ne nous bénit pas seulement lorsqu'on demande. Mais Dieu nous bénit quand on l'aime. Aimez Dieu, chrétien du Congo, aimons Dieu, seulement Dieu, n'allez la ranzambe, n'allez la yé, panin, aza danger, apesonin, ata apesite, aza bien. Plus beau entre 10 000, il est incomparable, bien aimé, les gens qui aiment Werason, ils l'aiment pourquoi? Asale bangonin, il est ôté, azara. Mais maintenant, Jésus, pour l'ingaye, il faut saler l'eau. Saler l'eau, on a noté. L'ingaye, kaka, yende mon konzi, aba konzi. Lorsque tu aimes parce qu'il a fait, tu l'aimes pour un intérêt. Pour un intérêt. Et le jour qu'il ne fera plus, tu ne l'aimeras pas. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a des mauvaises relations avec Dieu, il en aura aussi des mauvaises avec les hommes. Parce que quelqu'un qui aime Dieu avec un intérêt aimera les hommes avec des intérêts. Parce que tu es l'image de Dieu qu'il aime avec intérêt. Vous comprenez, Nadé? Quelqu'un qui s'approche de Dieu par intérêt aimera les hommes par intérêt. Parce que si déjà il peut s'approcher du grand Dieu par intérêt, il va s'approcher des hommes par intérêt. Notre relation avec Dieu détermine notre relation avec les hommes. C'est facile d'obéir à quelqu'un qu'on aime. C'est pourquoi je dis à tous mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, mariez-vous par amour, ne vous mariez pas par profession. Quand tu aimes un homme, il te dit Yelangamai. Au PC. Il a un PC au Canada. Au Cepelanete. Il a un maï. Au Monamba. Kilomètre. Lorsqu'un homme qui t'aime te blâme, tu écoutes. Mais quand tu ne l'aimes pas, ses blâmes deviennent des insultes. C'est pourquoi celui qui aime Dieu, il obéit facilement à Dieu parce qu'on obéit facilement à celui qu'on aime. Tu sais pourquoi est-ce que servir Dieu et faire la volonté de Dieu est difficile? C'est lorsque tu ne l'aimes pas. Mais le jour que tu vas commencer à l'aimer,
tu feras facilement tout ce qu'il te demande. Pourquoi? Tu l'aimes. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la vie ou la mort? Tout ça ne peut être comparable à l'amour de Dieu. Alors, je veux continuer à aimer Dieu parce que je l'aime plus que tout. Est-ce qu'un amoureux de Dieu ce matin? Qui se tienne debout, qui dise gloire au Seigneur. Oh, dis gloire au Seigneur. Acclame pour toi-même. Une autre chose qui donne, qui permet de vaincre la tentation, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit et développer une amitié avec lui. Car il est écrit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. La Bible dit ceci, deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relèvera. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Ou quand tu veux tomber, il vient, il t'aide. Amen. Hein? Ou tu veux partir, il te ramène. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais vraiment une année dans le Seigneur. Et quand je me convertissais, je sentais dans une chorale avec une sœur. Et je commençais à beaucoup aimer cette sœur-là. Quand je la voyais, je l'aimais beaucoup. Mais je n'avais que 16 ans. Yo, moi, à 16 ans, j'ai aimé beaucoup. Pour m'aimer, wapi. Yo, déjà 16 ans, fiancé. 16 ans, fiancé. Et ça, c'est Kindumba. 16 ans, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Mais comment je peux l'aimer beaucoup? Moi, j'ai 16 ans. Je n'ai pas fini mes études, je n'ai rien, je vais l'aimer. Et cette attirance grandissait. Et je priais, elle continuait. Et tu sais, lorsque le diable veut te faire tomber avec quelqu'un, « Ataza kito koma kasile, nenga ou pakole ma fouta koumi danger. » Demain, tongo kouyou mouni, « Mais oussala ki ma beboué. » C'est ma fouta. Ya Satan. Et un jour, l'ennemi m'a donné l'occasion de lui parler. Notre pasteur s'était marié et on avait chanté ce jour-là la chorale et on était restés seulement les choristes. Tout le monde était parti, nous sommes restés à la fikine entre nous. Et les choristes commençaient à danser entre eux. Il y a une bien. Oh, fait, il m'a église. Ozaba, mariété, marambobi, narabou, désadé, naboui. Vous n'êtes pas marié, Bobi Naboui. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, yo Simbia. Entre tes mains, j'abandonne. Tu abandonnes à qui? Je vous dis que vous avez dit 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 que vous avez Moi, je vais sentir onction. Dans vos fêtes, ne faites pas ça. Ce n'est pas permis à l'église compassion. Ici aussi, on n'aime pas les frères qu'il t'aiment. Parce que je vais faire un peu. Je vais faire un peu. Je vais faire un peu. Je vais faire un interdit. Ancien mal, au moni bongo, au kaboli bongo. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Et là, on danse. Et puis, quelque chose me dit, mais parle-lui. Je me suis levé pour lui parler. Quand j'arrive, dans Dieu Théa, le Saint-Esprit, mon ami, a pris ma langue. Jésus t'aime, il faut craindre Dieu. Mais mon cœur dit, mais il ne faut pas dire ça. Mais je parlais, pourquoi? Je n'étais pas seul dans ce combat, il y avait le Saint-Esprit en moi. Tu sais pourquoi tu pèches? Tu manques le Saint-Esprit. Tu manques le Saint-Esprit et tu ne le laisses pas prendre les rênes de ton combat pour se battre pour toi. La Bible dit qu'une file à trois cordes se rompt difficilement. Lorsque le fil a une corde et tu veux couper, ça coupe directement. Quand il y a deux, ça devient résistant. Quand c'est trois, c'est difficile. Parce que même si tu as coupé deux, il y a le troisième. Le troisième fil qui résiste. Et voici le premier fil de ta vie. C'est ton âme purifiée et régénérée. Lorsque tu te convertis, la parole de Dieu purifie ton âme. Ça te permet de résister. Deuxième fil, c'est ton esprit régénéré. Ça te permet de résister. Mais le troisième, c'est le Saint-Esprit. Alors voici ce qui arrive quand le diable veut te faire tomber. Il doit attaquer ton âme purifiée. Et c'est difficile. Même s'il arrive, il doit attaquer ton esprit renouvelé. C'est très difficile. Même s'il arrive, il va rencontrer le Saint-Esprit qui va l'arrêter.
C'est pourquoi dans certaines équipes, lorsqu'on a dribblé tout le monde, on sait que le gardien de but est très fort et vous n'allez pas gagner. Alléluia. Pareil aussi, si tu vis avec le Saint-Esprit comme un ami, lorsque l'ennemi t'a même amené tes pensées vers le mal, il y aura toujours le Saint-Esprit qui va dire non, ce n'est pas vrai. Le diable te ment. Je me souviens une fois, j'ai rencontré des branamistes. Quand j'ai commencé la vie chrétienne, ils m'ont prêché. J'étais totalement convaincu. Ils m'ont démontré des choses dans la Bible. J'allais devenir branamiste. Toute ma tête avait cru. J'étais parti. J'ai entendu seulement une voix qui me dit, c'est faux. C'est faux comment? Tout est vrai. C'est faux. Va voir ton pasteur. Je vais voir mon pasteur. Je dis, pasteur, j'ai rencontré des branamistes. Ils m'ont dit ça, ça et ça. Écoutez la parole de mon pasteur. Il m'a dit seulement, tu sais qui a amené les branamistes ici? J'ai dit non, Mukuna, Dieu. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est Mukuna. Directement, j'étais délivré. Le Saint-Esprit m'a aidé. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui te convainc qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qui convainc ton intelligence qui est vrai. Peut-être que tu as affaire à quelqu'un de plus intelligent que toi. Un jour, j'ai pris deux bouteilles identiques. Ici, il y avait du Red Bull. Et ici, il y avait du jus de pomme. Je demande à quelqu'un, entre ces deux jus de pomme, qu'est-ce qui est plus froid? Il dit celui-là. Est-ce qu'il y avait deux jus de pomme en présence? Il y avait du Red Bull et du jus de pomme. Ça a la même couleur. Pourquoi il est tombé dans le panneau? Quelqu'un de plus intelligent était là. Ce n'est pas parce que tu es convaincu que tu as raison. Des fois, tu as affaire à un esprit qui est plus sage que toi. Ève était convaincue. Mais elle avait qui devant elle? Un homme plus intelligent. Ce n'est pas parce que ton intelligence te dit fais que tu dois faire. Des fois, tu dois seulement aller demander des conseils. Est-ce que c'est biblique? C'est comment proposer? Non, ce n'est pas biblique. Par qui? Par quelqu'un de plus intelligent que toi. Le Saint-Esprit dans ta vie est là pour t'aider et pour te conseiller. Mais voici une chose qu'il ne fera jamais. Jamais il va prendre les rênes de ta vie à ta place. Il faudrait que tu puisses lui donner le guidon pour qu'il puisse te diriger. Et l'homme qui est rempli par le Saint-Esprit est comme un ballon qui est rempli. Lorsqu'un ballon est rempli, il s'enlève, il monte facilement dans les airs. Lorsqu'un homme est rempli de l'Esprit, vivre dans la sainteté devient facile comme un ballon qui est rempli d'air. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est comme un pneu rempli d'air qui peut marcher même sur le roc. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, frère, tu es un homme qui ne vit plus seul. Le Saint-Esprit est près de toi. Si tu ne maîtrises pas l'or, je peux t'amener le vrai or et le faux. Et je te dis, choisis. Et je te montre l'or qui est très gros et l'autre petit. Le petit, c'est le vrai. Le gros, c'est du plaqué. Et je te dis, choisis. Tu vas choisir le gros. Pourquoi? Ton intelligence et ta connaissance dans l'or est limitée. Pareil aussi, Satan a plus d'expérience que toi. Ça fait plus de 6000 ans qu'il tente l'homme. Il maîtrise les choses plus que toi. Mais il y a quelqu'un qui a existé avant qu'il ne soit, le Saint-Esprit. Un enfant, tu peux prendre 10 billets de 10 dollars, tu lui donnes et tu dis, tu lui donnes 10 billets de 1 dollar et tu lui dis, change-moi un billet de 100 dollars. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner 10 billets, il va te donner un billet de 100 dollars pour prendre 10 billets d'un dollar parce que c'est beaucoup. Il y a une intelligence supérieure devant lui et lui pense qu'il a gagné. Pareil aussi, devant le diable sans Dieu, tu es un enfant. Devant Satan, si tu n'as pas Dieu, tu es un enfant. Il va te dribbler sérieusement. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es tenté, amène le Saint-Esprit. Mais maman, Mukolo, Olbaba, Okosao, 60 dollars. Oh, c'est pourquoi Jésus n'a jamais péché, parce qu'il marchait avec le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment, une fille, un garçon te tente, tu es une fille vierge, tu es vierge, tu n'as pas connu d'homme. Il te dit, mais ma fille, mais si tu ne connais pas les hommes, mais tu seras stérile, mais qu'est-ce qui te prouve que tu peux avoir des enfants? Qu'est-ce qui te prouve? Tu imagines, tu rencontres, Mukolo Nao, et puis tu cèdes. Mais si tu avais rencontré le Saint-Esprit, il va te dire, non, mais Marie était vierge, mais Dieu l'a bénie. Mais Esther était vierge, mais Dieu l'a bénie. Mais pourquoi tu tombes? Parce que lorsque tu es tenté, tu n'invites jamais le Saint-Esprit. Ces derniers temps, je suis en train de traverser des moments terribles où maintenant ce sont des décisions que je dois prendre. Il suffit seulement que je prenne une mauvaise décision, j'ai des sérieux problèmes. C'est à ce niveau-là que je suis. Chaque jour, il faut que je prenne une décision tellement délicate au point où tu te retrouves entre 10 bonnes décisions, tu ne sais pas laquelle est la bonne.
proposer de devenir ton ami, afin de te conseiller. Il y a quelqu'un lorsque tu es tenté, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit une autre chose. Lorsque Jésus-Christ a été tenté par Pierre, parce que Pierre l'a tenté, Pierre lui a dit, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras pas. Il lui a dit, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, tu dois désobéir à Dieu et ne pas monter sur la croix. Écoutez la parole de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut faire la différence entre tes pensées et les pensées du diable. Voici la différence. Lorsque c'est toi qui penses, tu peux dire, j'arrête de penser, ça s'arrête. Mais quand c'est le diable qui pense, quand tu dis, je refuse cette pensée, ça continue. Pensée persiste, même si tu la refuses, elle est démoniaque, tu dois la chasser. Alors, si je pense mal, je dis, peut-être c'est moi, je m'arrête. Mais elle continue, c'est Satan, je chasse. Voici même. Si lorsque tu es tenté, les pensées qui viennent vers toi sont des pensées démoniaques, mais tu penses que ce sont des pensées charnelles, tu ne vas pas les chasser, tu vas tomber. Des fois, lorsque tu es tenté, il y a un démon à côté de toi qui veut te faire tomber. Là, tu ne vas pas dire, je me discipline. Et ça, on m'a discipliné, et ça, on m'a obéi. Car la tentation n'est pas directement démoniaque. Des fois, elle est charnelle. Mais la tentation peut devenir démoniaque. Et là, tu dois la chasser. Le matin, une mauvaise pensée. Le soir, une mauvaise pensée. À midi, une mauvaise pensée. Tu chasses, ça revient. Là, va même chercher des hommes. Dis-leur, priez pour moi, tu t'agenouilles, on chasse les démons. Alléluia. Voici une chose très très importante sur laquelle je vais insister ce matin. Tu dois te compter comme mort avec Jésus. Dis à ton voisin, mort avec Jésus. C'est un mystère. Celui qui veut vaincre le péché doit croire qu'il est mort. Parce que les morts ne pêchent jamais. Comment tu es mort? Lorsque Jésus-Christ mourait, tu étais là même si tu n'étais pas encore né. À Golgotha, il n'y avait pas que Jésus, il y avait aussi toi. Alléluia. Et comme Jésus-Christ est mort avec toi, donc tu es ressuscité aussi avec lui. Et tu es ressuscité. Lorsque je vois l'œuvre de la croix, je mors à tous mes péchés. Et quand je ressuscite à une nouvelle vie. Alléluia. Comme mort. Mes frères et sœurs, un homme qui croit qu'il est vivant continuera à pécher. Mais celui qui croit qu'il est mort ne péchera plus. Parce que les morts ne pêchent pas. Vous êtes mort avec Christ à la croix. Vous êtes mort avec Christ à la croix. Vous êtes mort avec Christ à la croix. Il est impossible qu'un papillon ne devienne une chenille s'il ne passe par le cocon. Il est impossible, bien aimé, qu'une chenille plutôt ne devienne un papillon s'il ne passe par le cocon. Et il est impossible à un homme de vivre la transformation s'il est bloqué à la croix. Lorsque une chenille devient papillon, c'est parce qu'elle était bloquée dans le cocon. Et pour mener une nouvelle vie, tu dois être bloqué à la croix. Si tu changes sans passer par la croix, tu es un serpent, parce que le serpent est capable de changer de peau sans changer de nature parce qu'il n'a pas de cocon. Je m'explique. Le changement d'un serpent n'est qu'extérieur mais jamais intérieur. Mais le changement d'une chenille est total parce que la chenille n'a rien à voir avec un papillon. Mais pour arriver à changer totalement, il faut l'œuvre de la croix, il ne faut pas être religieux. La religion change ta peau, mais c'est la croix qui change ta vie. Oh, dites amen. La religion, aller à l'église change ton extérieur, mais aller à la croix change ta vie. Alléluia. Lorsque une chenille est dans le cocon, il y a la métamorphose. Mais lorsque le serpent change de peau, il y a la mue. La mue du serpent n'est que extérieure, mais la métamorphose est intérieure. Et la métamorphose est égale à la nouvelle naissance parce que l'homme ancien n'a rien à voir avec l'homme nouveau. La vie chrétienne et la sanctification n'est possible que si tu es un homme changé. C'est pourquoi le message de la sanctification n'est pas pour les païens, mais le message de la sanctification est pour les chrétiens. Un païen, c'est un homme qui n'est pas encore né. Et on ne peut pas laver un fœtus. Mais celui qui est né, c'est le nouveau chrétien. Et on peut laver un bébé. Prêcher la sanctification aux païens, c'est dire au fœtus de se laver. C'est pourquoi, si tu n'as pas Jésus, je ne te dis pas d'arrêter les péchés.
Tu ne peux pas te laver parce que tu es dans le ventre de Dieu. Mais j'attends que tu puisses naître pour te laver. Ainsi, nous sommes durs avec les chrétiens et compréhensifs avec les païens. La seule chose que nous demandons aux païens, c'est la repentance et d'accepter Jésus. Mais une fois que tu es chrétien, nous allons utiliser le savon. Maintenant, il y a des païens qui ne sont pas encore nés dans les choses de Dieu, mais qui aiment la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi ils se comportent comme des pharisiens, des serpents. Le serpent change l'extérieur, mais ne change pas l'intérieur. Pourquoi? Il refuse de rester pendant longtemps dans un cocon parce que c'est difficile. Olingara, ba manière à ba chrétien, olingara intérieur à ba chrétien. Prêts, poso, jeter repo, poso. Mais ekobo, osala. Mais moto, moto, moto lingi, poso. Anyataka Poso. Comment tu t'appelles? Je m'appelle plus Django. Je m'appelle le frère Barnabas Poso. Et les églises du Congo sont remplies de serpents et non des papillons. Il y a beaucoup de serpents. Le serpent, même s'il change de peau, il a toujours le venin. Poussana en soi. Comment on m'a dit au petit frère encadré seroyo okibuna akomi mubali nae ndenini opesa ki nyoka mutu yokanse aza papillon banyoka alelu nyoka meye mtando parla langue ezaki poso kati venin eza après qu'il te manquait achio penza bwe keba nyoka. Vous savez pourquoi est-ce que le serpent garde le venin? Parce qu'il doit se protéger. Mais le papillon ne peut se protéger lui-même. C'est sa nature qui le protège parce que si tu le manges, tu meurs. C'est pourquoi nous mangeons les chenilles, mais nous ne mangeons pas les papillons parce que le papillon est un comestible. Mais le serpent, malgré son venin, on peut lui couper la tête et le manger. Ta protection n'est pas une vraie protection. La vraie protection, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi le païen, il veille. Ce qui n'a tiki mounoko, bako mone langa. On m'a monité kosio koutana mouta lekyo na mounoko. Mais chrétien, l'obarate nzamba ko koundele à sa papillon. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Tu viens à Jésus, mais tu vis d'impudicité. Tu manges par l'impudicité. On te dit convertis-toi. Mais si j'arrête, comment je vais manger? Tu es un serpent. Tu as la nature des enfants de Dieu. Tu es au protocole, à la chorale, tu chantes, ribo, bo, 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 bo. Mais, osana nous nyoka. Osochina nanou papa papa tout. Mais église au latipos. Mais jure et salio que nekochina papa batou. Zoka moisna zalara, ndoki, alieyo. Nyoka, bakatie, moutou. Est-ce que yo za chrétien? Oboi kochina. Au Sambelara, au Tikinos, au Bimisoba pendant un temps. Mais jour et Zali, Moutoumora Rotalayo, à Sali, Babenaonini, photo naio, à Teki, au Kuminambo. Bien aimé, ce pro de Alléluia. Si tu dis que tu es un papillon, montre-moi le cocon, parce que le cocon ne change jamais, on le voit toujours. Si tu vois le papillon, il y a toujours le cocon. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, quels sont les sacrifices que tu as faits? Otikali liponas. Tant obé takali cela vina yo. N'a passé, n'a présent, n'a futur, n'dengue moro. Au changea côté ni. Oh, j'étais chenille, je suis devenu cocon papillon. Tout à l'évino, tout le monde a coconté. Même Jésus a montré les traces de la croix. Où sont les marques de la croix dans ta vie? Paul dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte en moi les marques de Jésus. Où sont tes marques? Est-ce que tu peux même monter ici, cette chair, et parler de ta conversion? Frère, j'étais ceci, maintenant je suis devenu cela. Est-ce que tu peux dire ça ici? Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais n'ont même pas le témoignage sur leur conversion. Pourquoi? Leur vie passée est égale à leur vie présente. Il était chaîné, il est toujours chaîné. Il rampe toujours. Mais sache que quand tu es une chaîné, on te mangera.
un sorcier va te bouffer. C'est quand vous entendez qu'on balayait chrétien, balayait chrétien, balayait chien, papillon balayait chrétien. Après ça va poison. On t'étouffe la nuit parce que tu es une chenille. On te maudit, tu es une chenille. Puis-je parler un peu? Dans le cocon, il fait noir. Dans le cocon, on rate des coffres. Parce que quand tu es dans le cocon, ma chenille, on se robima, yozara au kamam. Mais tant robima, tu vas t'envoler dans les airs. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité. Une vie chrétienne, où il y aura ta kabilo comme sous-souté, posant moi dans un mes alokuta. Vie chrétienne, un mot aura tes bilo, posant un cocon. Maninga bokyo salabo, yo kyo solate. Maninga bokyo bima, yo kyo bimate. Bon bokyo soa, yo kyo soate. Bon bokyo fi, yo kyo fingate. Bon bokyo yiba, yo kyo yibate. Pendant un temps, basa mbong, osa na mote. Il faut tout le la vérité. Mais, une chenille qui est dans le cocon n'envie jamais une chenille qui marche sur la terre, parce qu'elle sait que lorsque le processus sera fini, je serai une autre personne. Ne regrette jamais le temps que tu passes à te consacrer à Dieu. Ne regrette jamais, ça finira par payer. Alléluia. Une autre chose pour terminer. Jamais Dieu ne peut te sanctifier sans que tu le veuilles, et jamais tu ne peux vaincre une tentation sans le vouloir. Dis à ton voisin volonté. Dieu dit à Israël, je mets devant toi le bien et le mal. Le bien et le mal, je te dis de choisir le bien. Le bien et le mal sont là, mais moi je te conseille le bien. Dieu ne dit pas je t'impose le bien. Amen. Je mets le bien et le mal, mais je te conseille de prendre le bien. Il crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il met aussi l'arbre de la vie. Il ne leur impose pas, il leur conseille de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où ils mangent, cet arbre accepte d'entrer dans leur bouche et ils sortent de ce jardin. Au ciel, il n'y aura pas des prisonniers, au ciel, il n'y aura que des volontaires. Au ciel, il n'y aura pas des prisonniers de Dieu, il n'y aura que des volontaires. Tu ne peux jamais vivre dans la sanctification sans le vouloir. Dieu ne t'obligera jamais à vivre dans la sainteté. C'est ta propre volonté. Je veux. Si tu refuses, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi, étant serviteur de Dieu, nous avons des limites dans les conseils que nous vous donnons. Nous faisons notre part, nous parlons. C'est à vous de décider ou de refuser. Alléluia. Un prédicateur est allé dans une église. Pendant des années, il prêchait. Les gens ne se convertissaient pas. C'était au Cameroun. Il a dit, je trouve que vous ne voulez pas vous convertir, je ferme l'église. Pendant 2 ans, il a fermé l'église, il a dit, que chacun rentre à la maison, vous ne voulez pas vous convertir, alors ça ne sert à rien. Il a fermé l'église, les gens sont partis. 2 ans après, tous sont revenus nés de nouveau. Pourquoi? Ils avaient compris que ce n'était pas pour faire plaisir au pasteur qui devait changer, c'était pour eux-mêmes. Alléluia. Dieu ne peut t'amener là où tu ne veux pas. C'est pourquoi lorsque tu veux aider quelqu'un à abandonner le péché, rassure-toi d'une chose, est-ce qu'il veut vraiment abandonner le mal? S'il ne veut pas abandonner le mal, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. Si les gens qui sont venus ce matin ne sont pas venus pour changer, mais sont venus seulement venir à l'église, avoir un bon culte, je suis en train de crier en l'air et Dieu a pitié de moi. Mais si les gens qui sont devant moi ont la volonté de changer, Dieu va te changer. Dieu ne t'imposera jamais une vie de sainteté. Jamais, jamais, jamais. Beaucoup d'entre vous ne changent pas. C'est parce qu'il n'y a pas encore la volonté. La volonté n'est pas encore là de changer. C'est pourquoi aujourd'hui, après le culte, un bien-aimé va faire un témoignage qui va nous faire comprendre à quel point la volonté est importante dans son changement. C'est un frère qui, pendant longtemps, a vécu dans le mensonge. Et quand on a prêché sur l'enfer, Dieu lui a dit, tu risques de perdre ton salut à cause de cela. Mets ta vie en règle. Mais quel mensonge dans lequel il était ? Même viendra vous expliquer cela. Et c'est quand tu vas comprendre, frère, que pendant que tu viens à l'église, Ozobi nakaka baninga va changer. Pendant que Yosera obine, alléluia, qui te zaima kasi, mate ezaki moto, baninga bazobo mama. Frères et sœurs, nous ne venons pas à l'église pour mate ezaki moto, ezaki danger. Non, nous venons pour changer. Nous venons pour changer, nous venons changer. Parce que si tu viens seulement à l'église pour dire c'était puissant, c'était moins puissant, ce n'est pas ça le but. Mon but, ce n'est pas que tu dises que je suis un bon prédicateur. Mon but, c'est que tu changes.
change. Si tu veux vaincre la tentation, tu la vaincras. Parce que la force de Dieu est suffisante pour te changer. Que Dieu vous comble de ses grâces. Nous nous tenons debout. D'ici là, l'album entre deux jours. Il y a frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Vraiment, album na bino et Ozala déjà d'ici là. Bobongi ça va qui s'engala na bino. Talano moi compte na yo bien. Bobongi ça déjà réservé déjà. L'Angleterre Mobimba. Dans nos bits partout, dans les États-Unis, tout comme ça, il y a qui s'engage à peau. Mon condi ça, la pindaï. Album Nabino entre deux jours. Apokota na kana nangai, mboka ya promesse. Réservé déjà, mbongo na yo posomba, CD pour participer na Moussa Lanzambe. Na ABC Bino, na kat album, mon condi ça, la pindaï. Bien aimé dans le Seigneur, yes. Il a la grâce. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyebozela qui, Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota, Mobimba, Yangoyo, Ngonge, Beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi. Avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa, pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu.
Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original.